Salut tout le monde, bienvenue sur lesensdeslettres.com, votre plateforme de Scrabble Duplicate. Pour cette partie un peu spéciale qu'on vous propose depuis un petit moment, j'arrive plus à compter. C'est le cinquième spécial 12 coups de minuit. Alors le 12 coups de minuit, c'est une partie Duplicate spéciale préparée par mes soins, Alexander. Avec des coups tordus, un peu très difficiles à trouver en termes de place, de construction. Rarement des mots complètement incongrus sur le plan du vocabulaire. Bon, ça peut arriver une fois ou deux de temps en temps, parce que quand j'ai vu qu'on pouvait faire quelque chose, je me suis dit, tiens, là, tant pis, on va leur proposer quand même, et puis ils apprendront un mot. Voilà. Concernant le classement, vous avez jusqu'à ce soir, minuit dimanche en fait, hein, puisque là on est dans la nuit de samedi à dimanche, pour jouer la partie et nous envoyer votre score, si vous souhaitez faire partie du classement bien évidemment. Allez, on y va pour une partie un peu tordue. Je prends pas mon petit papier, ça va pas le faire. Allez, je vous souhaite une très très bonne partie. Les 12 premiers coups. Alors là, il y a une particularité, on va aller jusqu'au 13e. 13e coup aussi est un peu farfelu. Allez, je vous souhaite une très bonne partie, un bon amusement. A tout de suite pour un premier tirage. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Voici Portugal, P. Roumanie, R. Égypte, E. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. C'est tout. Vous jouez avec Portugal, Roumanie et Égypte cinq fois. Chrono. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, le chrono est de 1 minute 30. Allez, bon courage.
un démarrage en douceur avec un maximum à 12 points. Horizontalement en H5, alors vous faites très attention et au mot retenu et à sa place. Donc nous jouons en H5, paire PER et le deuxième E se trouve sur la case centrale. Paire H5, 12 points. Il vous reste 3 lettres, Égypte, 3 fois, que vous rejetez. Vous rejetez vos 3 lettres, Égypte. Et on repart avec France, F. Hongrie, H. Maroc, M. Tunisie, T. Océanie, O. Et votre premier joker, lettre blanche, voilà. Et votre deuxième joker, lettre blanche également. Vous jouez avec France, Hongrie, Maroc, Tunisie, Océanie et les deux jokers. Bon courage. Le top de ce coup s'élève à 68 points. Horizontalement en H3, en appui sur paire et en utilisant les jokers comme un Y de Yougoslavie et un I d'Italie, vous jouez hyper émotif. H, le joker, le premier joker est un Y de Yougoslavie. PERE déjà posé, et ensuite M, O, T, le deuxième joker, Italie, et le F. Hyper émotif, j'espère que vous ne l'êtes pas trop. H3, ça fait 68 points. Sous top intéressant, il y avait tromperet en H1, joker. Joker R et Z. Ça faisait 36 points. C'était un super Benjamin aussi. Alors, vous n'avez plus de lettres après ce Scrabble. Voici Égypte E. Tunisie T. Uruguay U. Italie, I. Maroc, M. France, F. Algérie,
A. Vous jouez avec Égypte, Tunisie, Uruguay, Italie, Maroc, France et Algérie. Chrono. Quatre, 84 points horizontalement en I8 en collante sous émotif, hein, la partie émotif du premier mot. Tuméfia. T-U-M-E-F-I-A. Avec les lettres de hyper émotif, ça forme 6 mots de 2 lettres. E-E-T. Mu, homme, te, if et fi. Tu méfia. I8. Ça fait 84 points. Vous n'avez plus de lettres. Voici Maroc M. Océanie O. Roumanie R. Danemark D. Jordanie J. Égypte E. Et Algérie. Vous jouez avec Maroc, Océanie, Roumanie, Danemark, Jordanie, Égypte et Algérie. Chrono.
maximum à 77 points. Verticalement en 10B, en appui sur Homme. Nous descendons Majordome. M A J O R D. Le O de hyper émotif, le M de Tuméfia et le E final. Majordome 10B 77 points. Plus aucune lettre au reliquat. Voici Hongrie H. Uruguay U. Suisse S deux fois. Égypte E. Algérie A. Et Suisse S, ce qui vous en fait 3. Vous jouez avec Hongrie, Uruguay, Suisse trois fois, Égypte et Algérie. Chrono. Top à 115 points, verticalement en 11E, en collant à droite de majordome et en appui sur le T et le E, le T de émotif et le E de Tuméfia, de hyper émotif pardon, et le E de Tuméfia. Nous jouons hôtesse H A U TE déjà en place, S, S, E et encore un S. Horizontalement, cela forme O, O, H, RA, R, A, DU, D, U et E, E, S avec les lettres de majordome. Hôtesse, 11, E, 115 points. Vous n'avez plus aucune lettre reliquat, voici Égypte E deux fois, Suisse S, Uruguay U, Égypte E c'est le troisième, Venezuela V et Danemark D. Vous jouez avec Égypte trois fois, Suisse, Uruguay, Venezuela et Danemark. Chrono.
Nous allons jouer pour 42 points verticalement en 14F en appui sur le A de Tumefia et de façon à mettre un S au bout de hyper émotif. Nous jouons donc des aveux. D-E-S qui vient au bout de hyper émotif. A de Tumefia et V-E-U. Des aveux 14F, ça fait 42 points. Il vous reste une lettre reliquat, Égypte, que vous rejetez. Et nous prenons Wallonie W. Portugal, P. Océanie, O. Yougoslavie, Y. Suisse, S. Roumanie, R. Et Algérie, A. Jouer avec Wallonie, Portugal, Océanie, Yougoslavie, Suisse, Roumanie et Algérie. Chrono. Cinq points horizontalement en J4 pour terminer sur E de majordome et le S de hôtesse. Spyware S P Y W A R, le E de majordome et le premier S de hôtesse avec les lettres de la grille, cela forme verticalement État. ETA et mur MUR. Spyware J4 55 points. Il vous reste Océanie. Vous le rejetez. Et voici Venezuela V. Italie I deux fois. Égypte E. Luxembourg L. Suisse S. Italie I. C'est le troisième. Vous jouez avec Venezuela, Italie trois fois, Égypte, Luxembourg et Suisse. Renault.
À plus de 39 points. Horizontalement en K8, en double appui sur le deuxième S de hôtesse et le deuxième E de désaveu, et en collante, en partie, lessive. L, E, S, qui vient au bout de majordome. Le deuxième S de hôtesse, I, V, et le E de désaveu, le deuxième E de désaveu. Verticalement, sa forme étal, E-T-A-L, mur, M-U-R-E, et le S, disais-je, vient au bout de majordome pour le mettre au pluriel. Donc, nous avons joué lessive en K8 pour 39 points. Deux lettres au reliquat, Italie deux fois. De nouveau, vous les rejetez. Et on prend Roumanie R. Tunisie T. Égypte E. Italie I. Roumanie R, c'est le deuxième. Norvège N et Algérie A. Vous jouez avec Roumanie deux fois, Tunisie, Égypte, Italie, Norvège et Algérie. Chrono. Le top de ce coup se monte à 105 points, verticalement en 15i. Pour mettre un T au bout de Tumefia et pour coller à droite de désaveu, nous descendons Ternira. T qui vient au bout de Tumefia, donc E, R, N, I, R, A. Le E forme également V, VE. Le R vient au bout de lessive pour faire lessive VER. Et le N fait 1 avec le U de désaveu. Ternira 15I. C'était 105 points. Vous n'avez plus de lettres au reliquat. Voici Canada, c'est deux fois. Roumanie, R. Égypte, E. Italie, I. Tunisie, T.
Danemark, D. Vous jouez avec Canada deux fois, Roumanie, Égypte, Italie, Tunisie et Danemark. Chrono. Le top de ce coup, 41 points. Verticalement en 12B. Pour terminer sur if, formé du i de hyperémotif et du f de tuméfia et en collante, nous descendons. Directif. D, I, R, E, C, T et IF déjà placé. Le mot forme au passage OE, OHE. Rac, RAC et du DUT avec les lettres déjà en place. Directif 12B. Ça fait, pardon, 41 points. Une lettre reliquat, Canada. Ajouter Tunisité deux fois. Norvège N. Luxembourg L. Algérie A. Égypte E. Vous jouez avec Canada, Tunisie deux fois, Norvège, Luxembourg, Algérie et Égypte. Chrono.
Alors, le top de ce coup, 74 points. Verticalement en 6F, en appui sur le premier E de hyper émotif et le Y de Star Wars, de Spyware, pardon. On descend Acétyl. A-C-E-T-Y-L-E-N-T. Acétyl. 6F ENT à la fin, donc hein. Ça fait 74 points. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop groggy par ces différents coups et leurs difficultés respectives. Il y en a encore deux comme ça, et puis après ça se calme. Vous n'avez plus de lettres après ce Scrabble. Voici Grèce G, Algérie A, Grèce G, Algérie A, Norvège N, une fois, deux fois, trois fois. Vous jouez avec Grèce deux fois, Algérie deux fois et Norvège trois fois. Chrono.78 points. Horizontalement en M3, encore un double appui sur le N de acétyl et le S final de hôtesse. Nous jouons Nyan Nyan. G N A N de acétyl. G N A N et le S final de hôtesse. Nyan Nyan au pluriel, donc en M3. Ça fait 78 points. Alors vous avez peut-être remarqué que sur le récapitulatif de la partie à gauche de la grille, il y a certains mots qui sont mangés. Bon, c'est un problème de taille de l'affichage. C'est juste un problème d'affichage. On peut pas trop le changer là pour le moment. Alors. Il n'a pas l'habitude de jouer des mots aussi longs, c'est pour ça. Vous n'avez plus de lettres. Et vous prenez Belgique B, Égypte E, Norvège N, Italie I, Algérie A, Égypte E deux fois, ça vous en fait trois. Vous jouez avec Belgique, Égypte trois fois, Norvège, Italie et Algérie. Chrono.
Le top de ce coup, c'est le dernier qui soit tordu. On va jouer un mot de 10 lettres pour 74 points. Verticalement en 4F, en appui sur le Y de Hyperémotif, le premier S de Spyware et le premier N de Nyan-Nyan, nous descendons Bayésienne. 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 4F. Ça fait 74 points. Voilà, allez, on passe à la fin de la partie où ça sera un petit peu plus normal, on va dire. Un peu rébarbatif aussi parce qu'il y a pas mal de lettres. Vous verrez. Il reste plus trop de belles lettres là, il reste beaucoup de I, de O, de U. J'équilibrerai mieux la prochaine fois. Alors, vous n'avez plus rien, voici Italie. I. Égypte E. Zambie Z. Luxembourg L. Italie I deux fois, ça vous en fait trois. Et Luxembourg L, c'est le deuxième. Vous jouez avec Italie trois fois, Égypte, Zambie et Luxembourg deux fois, chrono. Le top est à 42 points horizontalement en O1. On appuie sur le dernier E de Bayésienne. Faites très attention aux mots choisis. Nous jouons ailier. E-L-I. Le E de Bayésienne et Z. Ailier O1. 42 points. Il vous reste trois lettres. Italie deux fois et Luxembourg. Vous ajoutez Océanie O. Luxembourg L. C'est le deuxième. Océanie O. C'est aussi le deuxième. Et Uruguay U. Vous jouez avec Italie deux fois. Luxembourg deux fois, Océanie deux fois et Uruguay. Chrono.
18 points horizontalement en N1 au-dessus de Ailier. Nous posons Lion. L-I-O-N. Le N, c'est celui, le deuxième de Bayésienne. Et verticalement, nous formons le Il et Goy avec les lettres déjà posées. Lion, N1. 18 points. Quatre lettres au reliquat, Italie, Luxembourg, Océanie et Uruguay. On ajoute Océanie O, c'est le deuxième. Xénophon X. Et Québec Q, Québec. Vous jouez avec Italie, Luxembourg, Océanie deux fois, Uruguay, Xénophon et Québec. Chrono. Un maximum à 32 points. Horizontalement en M14, on pose tout simplement le X pour faire XI horizontalement et verticalement mettre des aveux au pluriel. XI M14, ça fait 32 points. Il vous reste 6 lettres. Italie, Luxembourg, Océanie, deux fois Québec et Uruguay. Ajoutez Uruguay U, ça vous en fait 2. Jouez donc avec Italie, Luxembourg, Océanie, deux fois Québec, Uruguay, deux fois. Chrono.
30 points horizontalement en F2 en double appui sur le B de Bayésienne et le A de Acétyl. Kibla. Q I B L A. Kibla F2 30 points. Il vous reste Océanie deux fois, Uruguay deux fois, quatre lettres, donc on ajoute Belgique B. Kenya Kakenya. Et Uruguay U, c'est le troisième. Vous jouez avec Océanie deux fois, Uruguay trois fois, Belgique et Kenya. Chrono. Allez, pour ce dernier coup, un top à 27 points, verticalement en 9A, à gauche de les premières lettres de majordome, nous jouons Cob. K-O-B, formant au passage homme, O-M, et Ba, B-A, avec les deux premières lettres de majordome. Voilà, c'est terminé pour cette partie. Elle fait partie des parties, oui, on répète un peu, qui n'ont pas de décodage. Les décodages, c'est les parties des lundis, les parties de 18h en fait. Hein. Lundi, mercredi et vendredi. Voilà, écoutez, j'espère que vous n'avez pas trop pris trop peur avec ces coups un peu chelous, comme on dit. Et que vous allez revenir surtout, que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous faire des commentaires pour qu'on améliore tout ça. Allez! À très bientôt. Ciao, ciao.